Salut Yoren. Salut pour le chant. Je sais pas qui t'es. Kent ou Graal? Kent. Ok, donc il y aura peut-être un peu de délai sur le stream, même si je suis. Même si j'ai réglé ça pour avoir peu de délai, on verra un peu ce que ça donne et peut-être que ça ira. Bon, je vais laisser encore une petite minute pour que d'autres arrivent. Déjà pour commencer, avec quoi est-ce que quelle classe on va jouer, Kent? Parce que si je dois passer Braver de suite, je peux me préparer. Ok, Bouncer c'est bien. Je peux faire ça aussi. Bouncer c'est toujours bien. Ok, alors juste pour commencer, j'aimerais que tu me mettes ton les classes que tu joues, donc les couples main class, subclass, dans le chat, comme ça je peux un peu regarder, voir ce que je peux couvrir, ce sur quoi je peux parler. Comme ça sera fait. Donc, Bouncer Hunter, Ranger Hunter, ok. Bon, Ranger, je pourrais pas trop aider, mais en Sub Hunter, c'est bien. À partir du moment où tu joues Fury Stance. Et ça tombe bien, je joue Bouncer Hunter. Je vais juste arranger vite fait mon stuff. Voilà. Bon, j'espère que ça fonctionne maintenant. Est-ce que vous êtes de retour? Même vidéo?
Voilà, ça marche. J'espère que ça marche. J'ai des doutes. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est de retour. Je demande, j'ai pas de réponse dans le chat. Peut-être que c'est encore mort. Non, je suis connecté, tout va bien. Ok, bon. Pas de soucis. Pour une fois, ça n'a pas été très long, donc tant mieux. Lui est bien pensé. Ok, donc. Bon, je pense qu'on peut commencer. N'y a pas vraiment besoin d'attendre trop pour commencer, je pense. Graal, il va arriver. S'il manque un peu le début, c'est pas grave. Il pourra toujours embobiner ou il y aura une archive normalement. S'il n'y a pas de souci. Je finis juste de grinder ça. Et bien sûr, il me manque la sphère, donc. Pour présenter vite fait le stream, moi je joue sans la traduction des items sur PC à la manette. Ma manette s'affiche à l'écran, c'est les petits boutons rouges quand je touche. Je joue aussi un peu avec le clavier, ça m'arrive pour accéder par exemple à la sub-palette ou à tous les éléments qui pourraient être nécessaires, comme par exemple changer d'arme, des trucs comme ça. Donc toutes les actions que vous me voyez prendre, elles s'affichent à l'écran. Ils sont ici, mes photons de sphère. Donc voilà, ne vous en faites pas. Si je fais un truc au clavier qui s'affichera pas à l'écran d'une façon ou d'une autre, je vous l'indiquerai. Et si j'oublie, il faudra pas oublier de me le rappeler. Parce que je sais que j'ai oublié. Donc le chat sur le côté a l'air d'être lisible. Vous avez l'air de m'entendre correctement, tout va bien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, moi, ce que je fais en tant que Braver, en tant que Bouncer, c'est. Ah, bah voilà, maintenant mon Firefox il marche pas. Un plaisir. On va arranger ça vite fait, il y a une option à désactiver. Donc on va un peu regarder les skill tree sub hunter, qui est en gros le skill tree à avoir pour toutes les sub hunter. L'accélération matérielle est où? Ok, on ferme Firefox, on relance. Ouais, j'ai eu un problème avec ma box il y a quelques minutes. Voilà, Firefox qui se relance, c'est cool. Un peu lent.
Achète un SSD, Senpai. Donc, alors, premièrement, Iskilltree dans PSE2, c'est très piège parce qu'une fois qu'on a attribué le point, on ne peut pas l'enlever. Ou alors il faut payer, ou alors il faut avoir un pass pour reset tous les Iskilltree. Bon, c'est pas grave quand le compte est neuf. Vous apprenez à jouer, vous faites des erreurs, et si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne pouvez pas vraiment apprendre à jouer. Donc, vous n'avez pas le choix, vous allez faire des erreurs un peu au début. Pas faire attention, mettre le mauvais skill au mauvais endroit, c'est possible. Personne ne vous en voudra. Maintenant, il y a quelques trucs qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que pas toutes les combinaisons de skills sont viables. Donc, on a bien sûr les skills classiques avec le skill main class et le skill classique qui peut être utilisé sur toutes les classes. Ici, en Subhunter, la plupart des skills seront vraiment passifs, simples à utiliser, il n'y aura pas vraiment trop d'efforts à faire. Donc comme Yoren dit, justement, les skills Reset Pass sont donnés un par perso, donc c'est intéressant d'avoir trois persos rien que pour les skill tree au début. Après, bon, personne ne vous dit que vous allez devoir jouer avec tous les persos, mais faites comme vous voulez, ce qui vous arrange. Moi, je sais que j'aime bien avoir trois persos pour pouvoir me faire un peu d'argent. Et on passera sur le money making un peu plus tard, juste pour expliquer ce que moi j'appelle le money making facile dans le jeu et pourquoi ça prend moins d'une heure. Donc, le skill tree de base en Hunter pour la sub, c'est ça. La base de la base, c'est juste prendre Fury Stance. Et les Just Attack bonus. Les Just Attack bonus sont nécessaires parce que, à moins de jouer à une classe comme Summoner, vous allez devoir utiliser les Just Attack pour pouvoir faire plus de dégâts. Je ne sais plus exactement combien est le pourcentage, mais vous faites significativement plus de dégâts lorsque vous tapez avec une Just Attack plutôt que de taper normalement en gardant le bouton enfoncé. Et puis, si vous gardez le bouton enfoncé, vous allez finir par vous endormir et il ne faut pas s'endormir parce que vous allez peut-être manquer des choses. Maintenant, il y a quelques skills qui peuvent être intéressants à avoir pour la survie. Moi, j'aime bien avoir le Iron Will à fond avec le Never Give Up. J'ai un doute sur le Never Give Up, je crois qu'il n'est pas aux classes, donc je vais aller vérifier quand même. Mais l'avantage, c'est d'avoir seulement 75% de chances de survivre, ce qui n'est pas rien, même si ça nous lâche quand c'est nécessaire. Donc, je vérifie. Non, il n'est pas main class, donc tout va bien. Ça, c'est ce que je prendrai. Maintenant, beaucoup de monde préfère prendre Automate Half-Lane. Automate, c'est bien, mais quand vous avez des Monomate, des D-mate et des Trimate, lorsque vous êtes à court, vous ne vous soignez plus. En sachant qu'en plus, ça proc que sur certains pourcentages. Donc, quand il vous reste. Ça proc que moins de 50, à moins de 50%. Et lorsqu'il vous reste plus beaucoup de vie et que vous êtes à court, il vous faut de la chance pour survivre. Et le mieux, moi je pense que c'est Iron Will. Ça, vous faites comme vous voulez. Éventuellement, vous pouvez vous rendre un peu plus tanky avec les Flash Guard et tout ça. Flash Guard est passif. Donc, c'est vraiment le type de skill qui peut peut-être faire une différence. J'ai pas la moindre idée de si c'est vraiment nécessaire parce que je m'en sers pas. Mais bon, si ça fait vraiment une différence, pourquoi pas. Et pour certaines classes, avoir Massive Hunter peut être vraiment important. Principalement pour Ranger lorsque vous chargez par exemple des Photon Art comme End Attraction. End Attraction ou Satellite quelque chose. Vu que vous restez en place, vous ne pouvez pas bouger. Et si vous prenez un coup et vous flinchez, vous perdez la charge. Automate fonctionne même au corps à corps. Après, si vous prenez un dégât létal, je sais pas s'il fonctionne. Ça, on vous dira dans le chat. Mais bon. Moi, d'habitude, j'irai plutôt avec Iron Will. Ça me laisse plus de points là où je veux. Parce qu'il faut savoir que les quelques points que vous allez mettre en Guard Sense, vous n'allez pas pouvoir les utiliser parce que vous voulez profiter de Fury Stance. Ou alors, vous virez totalement Fury Stance. Mais dans ce cas,
Vous êtes full tank et les tanks n'ont pas leur place dans ce jeu, malheureusement. Après, c'est le style de jeu que vous voulez. Ça peut être intéressant d'avoir un des gears pour faciliter le leveling. C'est juste un point. Moi, de toute façon, je joue un peu cette classe, donc j'ai forcément le Sword Gear. Mais le gear ne sera pas utile si vous ne jouez avec aucune de ces armes. Donc ne vous en faites pas si vous ne l'avez pas. Vous pouvez très bien faire du leveling avec des armes multiclasses. C'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, tout ce qui est Step Advance. Je suis contre l'utilisation de ce skill si vous n'avez plus de skill en plus sur le côté. Il y a toujours un endroit où vous pouvez mettre des skill points. Et à partir du moment où il n'y a plus d'endroit où vous pouvez en mettre, Step Advance, c'est un bon choix. Mais la plupart du temps, c'est pas une bonne idée de perdre des points là-dedans alors que vous pourriez les mettre ailleurs. Et pour finir, le high level bonus, qui est absolument nécessaire dans tous les builds. Il coûte 5 points. Vous ne pouvez pas attribuer 5 points avant un certain level. Donc c'est toujours une bonne idée d'avoir au moins 5 points de libre pour ça. Lorsque vous arrivez aux alentours du level 70-75, je crois que c'est à partir de 75. Bon, il est nécessaire. Si vous ne l'avez pas, vous perdez 5%. Et 5%, ça peut ne pas être rien. Quand on tape à 100K, 5%, c'est quelque chose. Ensuite, tous ces skills, Healing Ward et tout ça, All Guard, Just Guard, PP Gain, Charge Parry, il faut voir si c'est vraiment utile. Le Charge Parry, je ne suis pas certain que ce soit utile en Braveheart ou Katana. Le Healing Ward, ça peut être intéressant. Le All Guard, malheureusement, main class, donc il va falloir être face aux mobs que vous allez taper. Il est utile uniquement si vous n'utilisez pas le lock et que vous êtes susceptible de prendre un coup à l'arrière, mais il ne gardera pas tous les coups. Certains coups ne peuvent pas être parés en tant que hunter, même si vous pouvez faire un hero dodge ou un phantom dodge. Just Guard PP Gain, malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter. Ah, donc. Dans le cas où tu as choisi par exemple un skill tree recommandé, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il attribue, où il met les points. Peut-être qu'il met les points dans un skill tree qui est défini par Sega. Bon. Mais je lui ferai pas exactement confiance. Après, bon. Ça peut toujours se rattraper. Il faudrait voir à quoi ça ressemble. Et bien sûr, si tu joues une classe corps à corps, une fois qu'il te reste des points, une fois que tu as fini de mettre les points là où ça compte vraiment. Donc moi, dans mon cas, ici, il me reste encore une bonne, pas mal de points. Je peux les mettre en striking. Voilà. Et ça, c'est seulement si tu joues une attaque qui a eu une classe qui sera au corps à corps. Donc, en tant que subclasse, globalement, ce dont vous avez besoin, c'est un petit peu de survie ici qu'on a sur la droite. Fury Stance, qui est vraiment le seul skill qui sera utile, parce que les tanks n'ont pas leur place dans ce jeu, et vous ne pourrez pas profiter du Guardian's Advance car il est main class. Et Guardian's Advance est le seul skill qui permet de faire beaucoup de dégâts en Hunter. Mais il faut pouvoir faire un Just Guard, ou bien utiliser un Charge Parry, ou bien utiliser une Ancient Parry correctement. Sans ça, impossible d'avoir les 150%. Enfin, les plus 50%. Bon. Maintenant, pour regarder vite fait le Skill Tree Bouncer. Deux têtes, moi je dois avoir un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc, ici, on a un skill qui est Jet Boot Strike. Il n'existe pas pour les Dual Blade, parce que les Dual Blade sont purement SATK. Et Jet Boot, c'est une autre histoire. On a un mix de TATK et de SATK. Là, dans ce cas, on peut utiliser la SATK qui sera l'attaque principale. C'est dommage que ce skill coûte des points, mais malheureusement, c'est nécessaire.
Bien évidemment, le gear, toujours le prendre. Phantom Escape, le Dual Blade Gear, parce que j'ai des Dual Blade aussi. Et je crois que globalement, c'est tout ce que j'ai. Ah, il me reste des points quand même. Hein. Encore une fois, le high level bonus bouncer est nécessaire. C'est ici que je dois avoir des points. Peut-être ça aussi. Bon, toujours est-il que je pourrais en réalité rien dans le jeu. Donc dans le jeu, ouais, j'ai à peu près ce que j'ai mis. Ah oui, j'ai pas mis le démon de Restorate parce que je l'ai pas pris. Photon Blade Fever, Photon Blade Escape. Ok. Ok, bon. Du coup, je vais un peu expliquer Skill Tree. Si Régine n'est pas là, ça va pas le faire cringe, tant mieux. Donc, le Skill Tree Bouncer utilise soit une Elemental Stance, soit Break Stance. Elemental Stance, c'est quand on peut profiter des dégâts en plus par rapport à l'élément. Donc chaque ennemi a quelques éléments où ils sont faibles. On va dire que globalement c'est mieux d'avoir du light, parce que globalement les ennemis ce sont des darkers. Avec l'épisode 6 à voir. Dans ce cas-là, l'Elemental Stance est ce qu'il y a de plus intéressant en light. Avec les Jet Boots, on peut aussi changer l'élément avec lequel on va taper. Donc l'intérêt c'est de pouvoir taper avec l'élément qu'on veut et faire le pourcentage nécessaire en plus. En sachant que entre un hit avec le bon élément et un hit avec le mauvais élément, on a juste un petit pourcentage de décalage. Pas grand-chose, c'est à peu près 15%, mais bon. Ici on a les 5%, et ici on a les 10%. Ça peut être intéressant de faire un arbre avec qui s'oriente sur les coups critiques. Moi ça je l'ai pas fait, j'ai pas retouché mon skill tree depuis le début, il faudra avoir une explication un peu plus en détail là-dessus, sur des builds vraiment spécifiques qui permettent de faire des critiques assez souvent. Parce que juste avoir 50%, c'est pas suffisant. En effet, le skill tree Hunter, il a Fury Critical qui rajoute 25%. Mais bon, 25% plus quoi, 25% aussi. Ça fait que 50% et la moitié du temps, c'est pas, ça vaut pas 10 points. Ça vaut 10 points si vous pouvez faire des coups critiques plus puissants que les coups critiques de base. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous faites des coups critiques, vous tapez à 100% du potentiel de l'arme. En dehors du coup critique, il y a une variance d'à peu près 10% avec le maximum de l'arme. Donc, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir faire beaucoup de coups critiques, et c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir sur certaines classes. Si vous n'avez pas beaucoup de chance ou que vous jouez une mauvaise classe, des coups critiques, c'est moins intéressant. Certaines armes peuvent buffer les coups critiques de 10% facilement. Certains super affixes sont très intéressants là-dessus. Je pense notamment au S2 et S3, je crois, qui a un bonus de 4%. Je ne sais plus le nom exactement, mais bon. On peut faire ça et rendre ça très intéressant. Principalement avec une subclasse fantôme, par exemple. Donc, ici, on a aussi une mécanique qui est assez spéciale. Les Elemental Bursts avec les Jet Boots, qui sont en gros des explosions de technique élémentaire, et qui ont lieu uniquement lorsque on utilise un Photon Art suivi de la Weapon Action. Donc, ici, c'est quelque chose qui est aléatoire, mais moi, j'ai des Jet Boots qui permettent de les créer de façon ponctuelle. Je peux les faire quand je veux avec les 14 étoiles que j'ai. C'est leur gimmick. Donc je vais pouvoir les montrer de façon vraiment fiable et montrer un peu ce que ça fait, les dégâts que ça peut faire. Ici, Rapid Boost. Très simple. Permet d'attaquer plus rapidement. Ça améliore la charge des Photon Art. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir pour pouvoir DPS rapidement. Parce qu'on peut DPS rapidement et. Parce qu'on peut DPS longtemps selon l'attaque qu'on utilise, par exemple Strike Gust, si je ne me trompe pas. Mais c'est bien de pouvoir faire ça plus rapidement, parce que plus rapidement, c'est toujours mieux.
Et on a bien sûr un petit buff d'attaque qui vient avec, qui est nécessaire. Le Shift à Air Boost est nécessaire pour les Jet Boots. Et ensuite, il sera nécessaire aussi pour les Dual Blade si vous faites un enchaînement bien particulier. Je montrerai comment ça fonctionne. Salut, Diffoul. Bon, en réalité, j'avais pas pris ça, mais bon, c'est pas une mauvaise chose de l'avoir si on a les points. Pour les Photon Blade, donc ça, c'est assez simple. De base, les Photon Blade dépendent du gear des Dual Blade. Donc, selon ce que tu vas faire, c'est selon l'arme que tu vas utiliser. Si elle a un potentiel pour avoir des Photon Blade en plus, ça te fera vraiment beaucoup plus de Photon Blade. Moi, je vais utiliser les Jupiter. Donc, j'aurai des petits éclairs en plus. Ça gênera pas la démonstration. Et bien sûr, il faut surtout pas hésiter à les utiliser parce que ça peut faire beaucoup plus de dégâts. Surtout avec le Photon Art Castle Rampage type 0. Et on regardera aussi les Photon Art type 0, vu que j'ai pratiquement plus que ça. Photon Blade Escape, je sais même pas pourquoi je l'ai pris, je crois que je l'ai pas sur mon tri, on regardera plus tard. Mais bon, voilà, ça met un peu d'invulnérabilité, ça te permet d'esquiver avec la Weapon Action. Après, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend le gear. Si on n'a pas le gear, on sert à rien. C'est la réalité des choses. J'aime bien le One More Jump. C'est. J'ai le point, donc je l'ai mis. Donc, ici, lorsqu'on va utiliser un Photon Art, on va pouvoir avoir une petite période d'invulnérabilité. C'est vraiment quelque chose qui est utile à avoir pour éviter de casser le flow lorsqu'on attaque. Très important lorsqu'on a une subclass Fighter. Le gear est bon, voilà, assez simple. Donc, un petit détail important avec Fighter en subclass pour Bouncer, c'est très intéressant lorsqu'on fait des trucs comme par exemple les Tech Arts Just Attack, parce qu'on peut économiser et frapper plus fort. Donc, on économise jusqu'à quand même 25% de PA. Ça peut faire une grosse différence selon ce qu'on fait. Et on peut taper 15% plus fort. Avec en plus une duration améliorée sur tout ce qui est shifter des bandes. Mais ça, c'est pas vraiment un problème, parce que en tant que bouncer avec des jet boots, ça se conserve bien. On va se concentrer sur du bouncer hunter pour commencer, ensuite on regardera un peu le reste. On repassera sur Braver tout à l'heure, avec exactement le même tri que pour hunter. Donc je repasserai dessus en un éclair, mais voilà. Au niveau du stuff. Je vais pas me fatiguer, je vais utiliser le même type de stuff que j'ai d'habitude. Donc j'ai que 150 pp, pas grand chose. Ma palette ressemble à ça. Donc j'ai beaucoup de jet boots, c'est toujours les mêmes. Et il faut pas hésiter à avoir les mêmes pour avoir différentes combinaisons de Photon Art. Moi dans mon cas, j'ai aussi des Photon Art sur la sub-palette et je vais utiliser le clavier pour pouvoir switcher là-dessus. Pour mes Jupiter. En Dual Blade, j'utilise Dispersion Shrike, Heavenly Kite, Distraction Wing et Kestrel Rampage. Mais ça, c'est plus un finisher pour quand mon gear est full. Ça, je le montrerai un peu plus tard. J'ai pas beaucoup joué Dual Blade, mais c'est quelque chose qui est sympa à avoir. Donc, on peut montrer l'enchaînement qui me plaît le plus. Ce qui est important, c'est quand même de pouvoir trouver un combo qui vous convient, qui vous plaît et surtout qui est suffisamment dynamique pour que vous n'ayez pas l'impression d'appuyer toujours sur le même bouton. Pour le Jet Boost, Strike Gust, c'est un Photon Art qu'on peut garder et maintenir pendant longtemps. Moment Gale, c'est assez intéressant à avoir pour regrouper les ennemis. Gant Wave, super pour le déplacement. Et Vinto, super pour un finish. Donc, moi j'ai tendance à mettre les finishes toujours au fond de la barre. Parce que c'est pas des attaques que je vais pouvoir placer aussi souvent que les autres, ou pas forcément aussi de façon consistante que les autres. En sachant que, avec les Jet Boots, chaque Photon Art a une Shift Action lorsque on l'utilise. Donc il faut surtout penser à avoir la Weapon Action qui est placée à un endroit accessible. Moi j'aime bien sur RB. Si vous vous aimez ailleurs, je vous laisse faire. Et bien sûr, je suis en configuration 3 boutons. 3 boutons, c'est la vie, on est obligé d'être en configuration 3 boutons pour pouvoir faire simple.
Donc là, on voit déjà sur ma sub-palette que j'ai quelques skills de base. Tout ce qui est Photon Art, Dark Blast, le Switch Strike et mes buffs et soins. La raison pour laquelle je les mets sur cette palette, c'est parce que cette palette, je ne vais pas l'avoir ouverte tout le temps. Parce que cette palette, en fait, c'est plus une palette support. Donc, juste pour pouvoir revenir vite fait sur une JetBoots. Elles sont de type Fire, donc ça veut dire que sur Naberius, ok, elles sont plutôt utiles, mais lorsqu'on va taper sur des Darkers, si c'est pas des Darkers insectes, elles servent pas à grand chose au niveau de l'élément. Elemental Strike est activé par défaut, c'est la première stance, donc enfin Elemental Stance, c'est la première stance du tri, donc c'est celle qui sera toujours activée par défaut. Si je veux activer Break Stance, par contre, je peux l'activer sur une autre palette. Donc, comme moi je suis plutôt orienté à STK, je vais activer le Switch Strike qui est nécessaire. Donc, j'utilise un camo sur mon arme pour cacher son style, donc vous la verrez pas. Imaginez juste que j'ai des JetBoots. Parce que moi j'imagine que j'ai des JetBoots et ça fonctionne. Et je viens de remarquer sur le chat qu'il y a deux lignes en noir, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent. C'est pas grave. Ah, mais il n'a pas rechargé en fait le chat. On va arranger le chat vite fait. Parce que si le chat est cassé, ça sert absolument à rien de répondre aux questions comme ça. Les joies du stream. Voilà, c'est ça, mais on dirait que du texte est coupé. Bon, c'est pas grave. Ok, bon. Je vais pas pouvoir le faire seul, donc. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut pas être seul. Bon, on va ignorer le Joker, c'est pas grave. Donc, en tant que bouncer, avec des JetBoots, on peut remplir le gear très facilement. Donc là, je vais le remplir un peu facilement, comme ça, pour montrer l'élément au bout de mes JetBoots. Donc, là, j'ai rempli mon gear avec deux charges de technique complètes. Lorsque j'attaque, on voit l'élément au bout des JetBoots. Ça dépend bien sûr du niveau de charge, mais bon, dans mon cas, c'est du fire. C'est classe, mais sans plus. Même si j'utilise des bandes. Et c'est pour ça que je mets toutes les techniques de support sur une autre palette. Donc, pour changer l'élément des JetBoots, il faut utiliser une attaque offensive, une technique offensive. C'est pour ça que tout ce qui est support ne servira à rien pour pouvoir changer l'élément. Donc au début de la partie, ce que je pourrais faire, c'est venir changer l'élément comme ça, en faisant une charge complète. Et là, je me retrouve avec du ténèbre. Ou bien, si je veux un peu de light. Voilà. Assez simple jusque-là. Pas trop. C'est pas trop compliqué. L'élément, il change en fonction de ce que vous utilisez comme technique. Bien sûr, j'ai deux autres palettes. Donc celle-là avec un élément feu et un élément glace en plus, élément électrique et élément vent. En sachant que l'élément feu permet de se déplacer plus rapidement, mais on reviendra là-dessus sur les Photon Art et les techniques type 0. Pour le moment, on va se concentrer sur ce que j'ai ici. Donc là, la palette actuelle est plutôt inutile, mais je vais quand même ajouter un nouvel élément. C'est tout récent, c'est le complexe PA. Ça, c'est quelque chose qu'on aura peut-être à partir du niveau 70, 75, peut-être 80, je ne sais pas. Et ça dépend des armes. Il existe pour la Sword, les Jet Boots et le Launcher.
Ça, bon, je le rajoute, j'utiliserai un peu, mais je le couvrirai pas non plus en détail parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est très important. Vous voyez ça plus comme un genre de finisher avec une jauge qui peut se remplir plusieurs fois. Bon, comme ici on est sur Naberius, ce qui serait le plus intéressant, ça serait d'avoir du fire pour pouvoir se faire les natives, vu qu'ils sont tous faibles au feu. Ici sur la palette, on voit que j'ai le Critical Field. J'ai un Elemental PP Restored Field. Et ces deux skills fonctionnent pour moi et pour tous les joueurs qui arriveraient dans une zone autour de moi. Donc on verra un cercle apparaître. Et les joueurs qui rentrent dans ce cercle auront pendant quelques secondes le même buff que moi je suis en train d'appliquer autour de moi. C'est un peu du support, mais en même temps, ça m'aide moi avant tout parce que là je suis tout seul. Mais peut-être pas pour longtemps. Un Pit Boost à pouvoir activer une fois de temps en temps. Les Photon Blade Fever pour lorsque je vais pouvoir changer. Et si jamais je me retrouve contre un boss qui peut avoir des parties qui cassent. Donc ça c'est vraiment important sur des boss comme par exemple, imaginons on tombe sur le Dark Ragné. Pour lui casser les pattes, ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Pareil sur les Fang Panther et tout ça. Bon, on va aller chercher un peu de... Non, on va d'abord regarder les enchaînements en Bouncer. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé assez simplement pour pouvoir foncer sur le Joker. J'ai utilisé ce Photon Art. On peut aller super loin avec. Et si vous voyez les Bouncers se déplacer, ils se déplaceront plutôt avec ça. Bien sûr, vous voyez aussi qu'il y a une Shift Action qui permet de faire ce genre d'esquive. Et en même temps, caster un petit déband. Je crois que les débandes sont plus courts. Exactement, donc en break stance, l'elemental stance ne fonctionne plus. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que avec Hunter, on dit toujours de prendre que Fury Stance lorsque c'est une subclasse, parce que tu ne pourras pas utiliser Guard Stance et Fury Stance. Pareil pour Fighter, pareil pour Braver, pareil pour... C'est tout. Ouais. Je crois que c'est tout. Une stance à la fois par classe. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, chaque Photon Art a sa Shift Action. Ici, par exemple, on avait avec Strike Gust Shift A. Et c'est pour ça que les Bouncers ne sont jamais vraiment à court de buff. Donc voilà, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs shifters, meilleurs des bandes. Si on a un taker dans la partie, le taker en général aura mieux. A priori, j'espère. Pas toujours le cas, mais bien souvent c'est le cas. Et bien sûr, les autres. Donc, bien évidemment, on a un gear. Le fonctionnement de ces Photon Art aussi peut être affecté par le gear, principalement l'attaque. Donc, il faut surtout pas hésiter à le remplir. Pour le remplir, deux méthodes. On peut venir et utiliser les techniques, ou bien on peut commencer à taper des mobs. Et lorsqu'il est plein, on peut faire un Vinto. Voilà. Bon, j'ai pris des dégâts, mais je suis pas encore mort. Au lieu de passer sur une de mes premières palettes là, je vais pas perdre de temps, je vais caster rapidement un Megiversé et taper ce qu'il y a là. C'est pour ça que j'ai quand même Megiversé. Donc voilà, ça peut être assez dynamique, on peut être en sécurité avec la Sub Hunter.
C'est plutôt cool. Et bien évidemment, comme j'ai fait là, si je veux me soigner, il faudrait plutôt utiliser Megiversé plutôt que de venir et essayer de perdre son temps à caster un Shifta, un Resta correctement pour pouvoir se régénérer de 451 à chaque fois. Attendre quand même 3 tics, ça peut être beaucoup. Personne n'a le temps pour ça. Autant se débrouiller avec un Megiversé, donner un coup rapidement, surtout s'il y a beaucoup de monstres. En général, on arrive à remplir sa vie d'un coup. Si on est dans un mode de jeu bien spécifique ou sur une quête bien spécifique où on a un nerf sur le heal, il faudra taper un peu plus. Mais c'est pas exactement ce qu'il y a de plus difficile en tant que bouncer. En sachant que ici, c'est vraiment le plus petit cast que je fais. Un gros cast, c'est largement plus efficace. Mais bon, personne n'a le temps pour un long cast, comme j'ai dit. Bon coup de cast et on attaque. Pour les fields, Critical Field et PP Elemental Field. Les deux peuvent être cumulés. Et maintenant, je vais un peu montrer ce que ça donne avec. Et Break Stance, ça peut être pas mal aussi. Un détail aussi important, c'est que la weapon action comme ça, après une attaque, elle permet de faire une attaque plutôt intéressante pour pouvoir remplir sa jauge de PP. Mais si vous faites que des weapon action, j'ai plus l'habitude, faire que des weapon action comme ça, vous lâchez la technique qui est chargée, et donc l'élément de votre arme si vous l'avez changé, dans une petite explosion. L'explosion, c'est ça, c'est l'Elemental Burst. C'est le petit effet. C'est aussi le même que je peux faire vite fait, brièvement, lorsque je fais la Weapon Action. Sauvé par Iron Will. Donc là, pendant une minute, j'ai un buff. Et un peu de vulnérabilité. Je l'ai mal utilisé, le Vinto. On va un peu activer les autres skills. Comme par exemple, Rapid Jet Boot. C'est pas trop bon. Sur le weak point, bien évidemment, le break stance ne fonctionne pas bien. Donc il faut surtout pas hésiter à switcher. Voilà.
Voilà, là par exemple, on a fait pratiquement 500K. Bon, voilà. Assez propre. Bon, maintenant passons au Dual Blade, que je ne maîtrise pas vraiment. Et que j'ai gridé juste pour l'occasion. Alors, une petite précision sur le stuff, bien évidemment. À moins d'arriver sur du 14 étoiles, ça vaut pas toujours la peine de le garder. Ça dépend, il faut vraiment voir ce que c'est comme stuff. Moi, dans mon cas, là, j'ai que du 14 étoiles, alors que pourtant, on a du 15 étoiles qui est sorti. Principalement parce que j'en ai pas eu, mais ça veut pas dire que ce que j'ai n'est pas bon. Là, on a les Jupiter Tellus, qui sont très intéressantes. C'est même une des meilleures Dual Blade qui existent dans le jeu. Même si elles sont que 14 étoiles. Bon, celles-ci sont celles de base qu'on obtient chez Zig. Faut bien évidemment les améliorer un peu, rajouter quelque chose d'intéressant au niveau des affixes. Moi j'ai fait l'extrême minimum. J'ai rajouté un petit Elder Every quand c'est sorti. Et un petit Power 4. Aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux. Mais malheureusement on n'a pas de slot S1, S2, S3, S4 ou même S5. Donc les enchaînements que j'ai avec sont assez simples. Celui-là pour avancer un peu vers l'ennemi. Et faire une petite AOE. On voit les petits éclairs autour qui sont juste le potentiel. Donc ça, on les aura à chaque fois que j'active un Photon Art. Quelque chose un peu aérien pour pouvoir monter. Donc ça, c'est vraiment utile lorsqu'on fait du mobbing. Par exemple, contre un Rock Bear ou quelque chose comme ça. Ou même avec des mobs autour, parce qu'on a quand même un peu d'attaque autour. La zone est un petit peu plus large, dans mes souvenirs. On essaiera sur des mobs. Ça, pour se rapprocher beaucoup plus sur une cible. Et bien sûr, le Kessel Rampage, qui est comme ça, avec aucune Photon Blade, mais on va changer ça parce qu'on a un gear à remplir. Et là, j'ai raté le Just Attack, malheureusement. Mais voilà, là, on a eu un Kessel Rampage type 0, bien plus intéressant. C'est possible de remplir le gear très rapidement avec le premier photonard dont j'ai déjà oublié le nom et ensuite de faire un Kessel Rampage par derrière. On a d'autres Dual Blade qui sont aussi très intéressantes, celles qu'on trouve chez Loser Omega, je crois, qui permettent de ne pas vider le gear lorsqu'on est dans les airs. Donc ça veut dire qu'il faut sauter pour pouvoir en fait commencer son enchaînement et tant qu'on n'a pas les pieds à terre, bah, le gear ne va pas se vider, ou alors le gear va se remplir automatiquement. Mais là, remplir le gear, c'est pas exactement ce qui est le plus difficile. Ou alors, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Il y a toujours moyen d'optimiser. Mais bon. Remplir le gear semble vraiment facile en mobbing. On pourra voir ce que ça donne tout à l'heure sur le damage tally contre juste un Rockbear. Juste pour la comparaison. Ça devient un Kessel Rampage spam, mais ça vaut le coup. La différence au niveau des Photon Blade qu'on a avec le skill, c'est comme ça indiqué, elles sont doublées. Donc voilà, pas vraiment de grande surprise là. Même là, c'est presque intéressant. Quoique même pas. Ouais, même sur quelques meubles, le gear se remplit vite. Donc voilà. Et Dual Blade, ça va être assez simple. Mais quelqu'un qui s'en sert plus souvent que moi pourra vous dire. Je me sens jugé là pendant un moment.
bien évidemment, Kessel Rampage a absolument besoin d'avoir un gear rempli. Tant que le gear n'est pas rempli, ça vaut pas le coup de s'en servir. On a vu tout à l'heure avec les petits 2000 d'attaque, alors qu'on peut avoir facilement du 12K. Avec beaucoup d'attaques et surtout beaucoup de Photon Blade. Les Photon Blade peuvent même d'ailleurs changer totalement les dégâts qu'on fait. Là, on se retrouve avec peut-être du petit 4000 pour 4 Photon Blade, mais sur Castle Rampage, c'est pas du 4000. Donc voilà. Je pense que pour Bouncer, c'est à peu près tout. Bien évidemment, comme j'ai dit, ici, on n'a pas le complexe PA. Pour revenir sur les Jet Boots, quand même, le complexe PA peut varier. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé le complexe PA sans utiliser de Weapon Action. On m'a dit qu'il y avait une Weapon Action, donc on va essayer. Mais d'abord, Break Stance. Parce qu'il y a quelque chose qui peut casser ici. Ok, peut-être que je dois l'utiliser lorsqu'il y a le cercle. Donc on verra ça un peu plus tard. Ouais. Effectivement, on peut le changer avec la Weapon Action. Là, j'ai raté la Just Attack. Ça m'arrive encore. Et j'ai honte à chaque fois que j'en rate un. Donc là, comme son visage est cassé, le break stance, je crois, n'a plus effet. On va switch sur les dual blades, parce que pourquoi pas. On va lui casser les pattes arrière parce que pourquoi pas. J'espère qu'on n'a pas des défenseurs des animaux ici. Oui, alors, tout à l'heure sur le complexe PA, on peut changer l'attaque à la fin en fonction de la weapon action. Donc lorsqu'il y a le cercle, pour remontrer ce que ça donne, je vais repasser dessus. Ici, on va avoir un cercle qui va apparaître sur mon perso. Ici, voilà. Lorsqu'on appuie sur la weapon action, à ce moment-là, on peut utiliser le shift action, donc ça veut dire que le pattern art va changer un peu. Ah, comme ils sont 85, ça va prendre un peu de temps. Donc je pense que je vais fuir le combat. Et pour info, je ne suis pas, c'est une retraite tactique. Et finalement non, je pense qu'on peut les prendre. Autant désactiver l'instance. Voilà.
Ouais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si tu as le skill. J'ai pas pris le skill, je crois. Ah bah voilà. Ma victime préférée. Voilà, donc les Dual Blades c'est viable. Et ça peut être pas si mal si t'as les Jupiters. Donc pour obtenir les Jupiters c'est assez facile, tu peux les obtenir directement chez Zig, dans la Shop Area, pour 500 crests, que tu peux obtenir assez facilement je crois, à voir comment on obtient les crests actuellement, parce que c'est pour les premières crests je crois, ou les secondes. Est-ce que c'est... Ouais, c'est sur les Conqueror Crest, 500. Mais avec les Sage Crest, on peut obtenir des Conqueror Crest assez facilement. Voilà. Donc, pour Bouncer, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, regardons Braveheart. J'espère que Graal est arrivé. Ouais, les crests, ça sert à ça. Si tu veux, on peut même regarder vite fait dans le shop à quoi sert quoi. Ah, j'ai pas utilisé Braveheart depuis longtemps. Ça va être fun. C'est fun. Ça, c'est parce que j'ai fait l'ouvre-boîte. Donc, j'ai juste besoin d'une petite minute pour refaire ma palette. Parce que je me rappelle plus exactement d'à quoi elle ressemble. Ah, il n'arrive pas à parler sur le chat. Est-ce qu'il a un compte? S'il lui faut un compte YouTube ou un compte Google qu'il ensuite convertit, enfin, utilise sur YouTube. Parce que s'il n'a pas... Normalement, tout le monde peut parler. J'ai pas banni grand monde. J'ai banni que des bots. Donc... Là, je le vois pas dans la liste des participants. Si tu peux me dire ce qu'il a comme message, ça m'aiderait. Sinon... Sinon, tout ce que tu peux faire, c'est relayer ces questions. Et je crois que je vais en avoir un deuxième. Avec celui-là. Ah bah ouais. Ce sera l'occasion de montrer la différence entre un type 0 et un type normal. Voilà. Donc, si Waya n'est pas là, c'est une bonne chose, parce que ça va lui faire du mal, ce qu'il va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste te montrer la différence entre Kazan maintenant et Kazan plus tard, parce que je vais aller le crafter. Comme ça, on peut aussi couvrir le craft des Photon Art.
Et j'ai oublié où est-ce qu'il est le damage tally. Ouais, c'est ici les training quests, non? Je dois être aveugle. J'ai pas l'habitude. Ah. Tu vas me voir jouer Braveheart et ça va te faire du mal. Ok. Bah, il a craft ses types 0, mais il les a peut-être pas toutes craft parce que malheureusement, ce système, il est un peu pensé comme un jeu mobile et il faut prendre un peu de temps. Donc, pour faire assez simple, parce que j'ai envie de montrer ça, ce que c'est avant, et j'ai envie de l'upgrader parce qu'il sert pas à grand-chose là de suite. Ici, on a ça, cette animation super longue pendant laquelle on est totalement vulnérable, qui sert pas à grand-chose. C'est classe et c'est tout. Mais dans PS2, le classe, c'est pour le fashion, ça coûte cher. J'ai envie de changer ça et d'être juste un petit peu plus efficace. Donc, je vais aller dans mon My Room. Et je me dis que la musique va être va peut-être poser problème sur YouTube. Donc, voilà. J'aime bien la musique d'Eggman, mais pas assez pour que YouTube me dise des trucs. Donc, on retire les quelques disques qu'il va me falloir. Je me sens chanceux, donc je vais en retirer que 15, parce que je crois que c'est 15 pour crafter le Photon Art. Kazan Nadeshiko. Donc voilà, juste pour revenir sur le photon art que j'utilisais, Castle Rampage. Là, il est utilisé. Là, il est type 0. Il coûte un peu cher. 45 pp, ça fait beaucoup. Si t'as pas beaucoup de pp. Mais bon, si t'as une armure, tu vois, un peu 12 étoiles ou 13 étoiles, tu devrais avoir au moins 150. Donc, un tiers, c'est pas trop mal. Ensuite, il faut juste que tu te débrouilles pour pouvoir les récupérer en faisant quelques attaques en plus derrière. Kazan coûte cher aussi, 40 pp, et toutes ces attaques qui prennent du temps, comme Overhand aussi, peuvent prendre donc pas mal de pp. Donc, ici on va avoir moins 10 pp en utilisation peut-être, un petit peu plus de puissance, mais surtout un nouveau fonctionnement. 151. Ouais, pas trop mal. Peut mieux faire. Donc, pour l'utiliser, c'est dans les disques. J'oublie toujours, je le fais plus. Ça coûte quand même presque 50. C'est beaucoup, surtout sur ce perso, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et je vais te montrer pourquoi ça vaut le coup. Mais avant, il me faut mon cure-dent de la triche. Et mon cure-dent de la triche, il est quelque part ici. Voilà. Ça, pour l'illustrer, je vais un peu me la jouer avec une Extreme Quest. Je sais plus si c'était celle-ci avec le griffon à la fin. Ouais, c'est celle-ci. Donc voilà, je vais essayer de faire le vieux prérequis pour être expert. Bon, en réalité, je sais le faire. Et je me rends compte que ma sub-palette n'est pas bonne. Pas bonne du tout. Va falloir arranger ça.
Donc, juste pour arranger ma sub-palette vite fait. Katana combat, nécessaire quand on joue katana. Tu vois un cercle rouge en une cible. Ça doit être le weak bullet. Ça, c'est le truc qui est posé par les rangers. C'est bien lorsque tu poses un weak bullet, c'est bien ça que tu vois. Le weak bullet, c'est plus 20% de dégâts, je crois. C'est très utile, on va dire même nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? En réalité, je me demande si j'ai même besoin de soins. Bon allez, on laisse sentir au milieu comme ça. Encore une fois, on prend un drink. Je n'ai pas de problème avec la boisson. C'est faux. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de mon cheat stick, mon cure-dent de la triche. En réalité, mon cure-dent de la triche, voilà. C'est pas parce que le gear se remplit ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que, en réalité, oui, en fait, le gear il se remplit tout seul. Voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai. Ouais, j'ai pas regardé le tri. Braver, donc on va faire ça. Autant regarder le tri Braver maintenant. Donc, je vais le faire de tête. Est-ce que le chat est bon? Ouais, le chat est bon. Donc, de tête, je dois avoir fait un truc comme ça. C'est vraiment le tri low et fort. Bien évidemment, le high level bonus, j'insiste, il faut le prendre. Si vous ne le prenez pas, bah vous devez le prendre quand même. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tri pour ça. Donc, moi mon tri est assez simple, il est orienté katana, je joue pas bullet bow, je sais pas jouer bullet bow. Il y a des gens plus compétents là-dessus que moi. Donc, ils pourront critiquer tout ce qu'ils veulent au katana, ils pourront pas me critiquer sur le bullet bow, parce que je ne vais pas montrer le bullet bow. Donc le katana, c'est simple. Moi j'ai quelques photon art que j'utilise, que j'aime utiliser principalement. C'est pas nécessairement toujours les meilleurs, mais voilà. C'est l'habitude de l'épisode 4, lorsque j'ai arrêté de jouer Braver. Donc juste pour couvrir un peu ce que j'utilise, c'est assez simple. Donc ici j'ai Guren. Guren c'est pas trop mal on va dire. Classique. C'est le méta. Enfin c'était le méta. J'utilise Hato, qui est plutôt bon. Il n'est pas level 17, mais il devrait être level 17 un jour, si j'obtiens le disque. Asagiri. Très simple, c'est très utilisé, principalement pour se déplacer maintenant, je crois. Et Sakura Endo type 0. Ouais, type 0. J'avais un doute. Donc, c'est vrai que je suis assez sur le tri. Donc, de toute façon, je les ai listés. Ouais, j'ai vu le chat, j'ai vu le chat, t'en fais pas. Je le regarde une fois de temps en temps. Donc, très simple, ça c'est vraiment la palette que j'utilise d'habitude. Et ensuite, sur la deuxième palette, j'ai un peu changé pour utiliser le Photon Art ou de la boîte, qui est, à mon avis, le seul Photon Art que l'on peut utiliser pour ouvrir plusieurs boîtes en même temps d'une façon satisfaisante. Et Kazan, que j'ai crafté tout à l'heure. Et qui maintenant doit être maintenu pour charger. Alors le truc que j'ai pas montré aussi, c'est que ça recharge le gear, mais j'ai préféré utiliser l'autre katana, le Kazami Nodachi. Nodachi, qui était un des premiers katanas 13 étoiles, 14 étoiles qui est sorti.
et qui, à mon avis, est certainement restera un des katanas les plus uniques au niveau du gear. Donc je sais jamais si c'est le premier stage ou l'autre. Bon, allez. On va faire le premier. Ouais, c'est bien celui-là. Donc, ici c'est assez simple. On va sortir le photonard tout ouvre-boîte. Bon, ils n'ont pas beaucoup de vie. Pas très intéressant comme fight, mais bon. Ça faisait partie du prérequis à un moment. Et c'est pas le plus difficile. Lequel attaque en priorité les weak points? L'ouvre-boîte? Ouais, je pense pas que ça attaque en priorité les weak points. Je suis même pas certain qu'on ait un photonard qui fasse ça. Donc, j'ai vidé mon gear pour pouvoir montrer en fait Kazan qui le recharge. Mais je comprends pas pourquoi, parce que Kazan ne semble pas le recharger. Donc peut-être que c'est uniquement quand le gear est actif. Quelqu'un qui sait mieux que moi pourra l'expliquer. En attendant, je vais tricher encore. Voilà. Donc, là, je crois que c'est un petit peu plus sérieux. Ok, donc, là, je vais expliquer un petit peu plus ce que je vais faire. Donc, en tant que Braver, on a beaucoup de chance, parce qu'on a Katana Combat, qui permet de d'être invulnérable et de taper en même temps. Ça dure pas très longtemps, mais ça permet de faire suffisamment de dégâts. Ensuite, avec certains photonards, comme par exemple Assegui, on peut se déplacer assez rapidement sur une cible, lui arriver dessus. Ou bien avec Rato, on peut attaquer à distance. En sachant que le mieux avec Rato, c'est d'attaquer sur de loin. Et bien sûr, il ne faut pas échouer la charge. Si on échoue la charge et qu'on ne relâche pas lorsque la charge est rouge, on perd tout simplement tous les dégâts qu'on est censé faire et aussi la portée. Bien sûr, Braver, c'est tous les photonards du Braver qui se chargent doivent être chargés correctement. Et malheureusement, on ne pourra pas faire beaucoup de dégâts si on rate ce petit timing. Ça rythme un peu le combat, mais ça peut être intéressant quand même. Contrairement à d'autres classes où l'attaque sera vraiment directe et on n'aura pas besoin de venir se dire « Ok, le chargement il est bon, puis il est plus bon. » En sachant que, bien évidemment, avec Hato, le placement est très important. Guren aussi, vite fait. Guren, il permet de se déplacer très rapidement et de dégainer l'épée pour faire une attaque plus puissante. Il faut maintenir une direction pour l'attaque. C'est un large éventail. C'est pas exactement le PA le plus intéressant actuellement, mais c'est pas grave. Et je vais beaucoup utiliser Sakura Endo, qui lui a une charge un peu particulière aussi. Donc, Sakura Endo type 0 a besoin d'une charge vraiment vraiment spécifique. Il faut le relâcher au bon moment, et c'est au moment où en fait on se retrouve avec l'énergie qui rentre en soi, si on veut. Comme ça. Donc, faut surtout pas hésiter à tester. Bon, là j'ai pas beaucoup de PP, donc c'est très difficile de montrer de façon consistante, parce qu'il utilise pas mal de PP. Il utilise pratiquement 30 pp chez moi.
Je pourrais l'optimiser un jour, mais c'est pas une priorité. Donc, on va voir. Et aussi, très important, donc en tant que braveur au katana, avec la garde, on peut faire un just guard, c'est-à-dire on part au moment où l'attaque nous arrive dessus. Et ensuite, on va dégainer un coup qui va faire beaucoup de dégâts. On va avoir un petit buff qui va durer pendant la durée du gear. Et il faut maintenir le gear le plus longtemps possible pour pouvoir en profiter. Et ça, c'est une des parties les plus importantes du Braveur. C'est le gear. Donc je vais essayer de le montrer. Ça devrait pas être trop difficile. Promis, je vais arriver à le montrer à un moment. Promis, j'arriverai à le montrer à un moment. J'essaie. J'ai plus l'habitude de ce jeu. Bon. Le dragon avec, c'est quand même largement plus intéressant. Vas-y, attaque-moi. Donc voilà, on a fait un petit coup à 68. J'ai le gear qui est activé. Je tape plus fort. Donc là j'ai activé le katana combat, je suis invulnérable pendant une bonne période. Et comme avec le Hero Time, il y a une petite période qui est la durée du Photon Art où je peux venir et activer un finish. Quelque chose comme ça. Oh bah voilà, je sais jouer en fait. Et non, voyage, ouais, je voulais avoir l'air classe et parer au bon moment, pas venir et faire des spams comme ça. Bien sûr, si vous débutez ou que vous n'êtes pas sûr de quand le timing sera le bon, n'hésitez pas à spammer comme ça, ça fonctionne. Ça fonctionne d'habitude. D'habitude seulement. Bon, là on a vu du coup ce qui s'est passé avec le gear, donc pour revenir vite dessus, et j'essaierai d'expliquer un petit peu plus en détail, j'ai paré le coup. Du coup ensuite j'ai envoyé une lame en attaquant, donc ça a une portée assez honnête, hein. Moi je dirais que ça devrait toucher la barrière qui est là au bout, en face. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait des dégâts, beaucoup de dégâts sur un weak point. Je crois que les critiques sont augmentées aussi, donc dans le cas où on fait un build de Braveur orienté critique, ça peut être bien de buffer les dégâts critiques. Et bien évidemment, j'en fais un, mais je peux en faire deux, je peux en faire trois. Il faut surtout pas hésiter parce que c'est quelques iframes et on est bien avec les iframes. Elles sont longues et c'est le secret de la survie. Donc, là je fais la partie sur laquelle les gens bloquent, d'habitude. Donc je vais utiliser un petit peu plus souvent le Sakura Endo. Voilà. Le râteau est très intéressant, il faut surtout pas hésiter à prendre un peu de distance parce que c'est ça en fait qui permet justement d'attaquer pleinement à pleine puissance. C'est ça, iframe c'est pour invulnerability iframe, on appelle ça des iframes, c'est absolument pas les iframes HTML, t'en fais pas.
On parle vraiment juste de l'invulnérabilité. Ça, c'est quoi le stage? Non. Ouais. Easy. Bon, là, du coup, on a un stage un peu facile. On va en profiter pour le faire bien. Mais si je les tape, ils vont mourir. Ah non, ça va. Bon, là j'ai juste voulu faire le stage correctement pour la suite, c'est juste plus simple. Je sais plus qui c'est qui cherchait le griffon, mais... En fait, il est ici aussi. Maintenant que j'y pense. Je sais pas s'il compte. Mais s'il compte, tant mieux. Bien sûr, c'est endgame et faut pouvoir y arriver. Moi, je suis un peu overstuffé. Bah, il m'a rien lâché. Mauvaise palette. Voilà. Ah oui, donc voilà, si le gear est actif, Kazan recharge bien le gear. C'est une façon assez cheap de le faire lorsqu'on attend par exemple une vague de mobs ou autre chose selon l'émergence quest qu'on fait ou un événement. Parce que ouais, sinon ça se vide tout seul. Ou alors on peut essayer de le vider un petit peu plus lentement avec le Kazami, mais bon, ça marche pas toujours. Alors, Gekka, c'est quoi déjà? Tu parles de quoi? Je suis pas certain, je suis peut-être pas le photon art. Ouais, tu au level 85, tu as un skill spécifique pour ça, pour que ça ne baisse pas. Je crois qu'il manque un photon art ici. Mais sinon, pour que ça baisse pas, continue de taper des mobs. En général, ça, c'est largement plus satisfaisant. J'ai ce perso depuis au moins 3 ans et j'ai toujours pas tous les photon art. Je sais, c'est honteux. On va changer ça. Est-ce qu'ils l'ont? Un peu cher quand même, hein. Est-ce qu'ils l'ont moins cher? Bon, bah, level 14, c'est peut-être pas si mal. Achète-le avec Cube Shop. Ouais, le Cube Shop, c'est vrai. L'occasion de montrer un shop très intéressant pour les petits nouveaux. Ok, 20.
Donc, Gekka, Sakura, c'est quoi déjà? Je le cherche. Ok. Je vais essayer de le reproduire, on va voir, mais... Ouais, je vais le faire dans un camp ship. C'est vrai que j'ai accès à Extra Hard avec ce perso. Ah, X-Cube, c'est toujours moins cher, je trouve. Parce que je les ai. Donc, voyons voir. Maintenant, il faut que je le trouve dans la liste. Ah, ouais. Je crois que je vois. Non, je j'aime vraiment pas. Mais bon, peut-être que c'est un enchaînement intéressant à voir. Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme enchaînement. C'est pas grave. J'aime bien le mien. Mais si cet enchaînement te convient et que tu arrives à le faire, tant mieux. Profites-en. Parce que c'est comme ça que. C'est comme ça que tu vas faire tes dégâts, quoi. Si c'est beaucoup plus agréable pour toi comme ça, fais-le. Moi, je trouve que c'est encore un peu bizarre. Peut-être que c'est juste mon placement qui est pas bon. Parce qu'il faut peut-être commencer directement dans les airs, je sais pas. Je relis ce que tu as écrit. Sakugeka. Sakura 0. Ouais. Ouais, je peux pas placer Just Guard là comme ça sans mob, mais ok. Ça peut être intéressant à regarder pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis plutôt. Moi, je joue plus vraiment Braveheart, donc voilà. Ouais, il me place dans les airs, c'est peut-être ça le problème. On va enregistrer celui-là. Et donc ça c'est à peu près tout sur ce perso pour tout ce qui est Braveheart et Mancer. Est-ce qu'il y a des d'autres questions sur d'autres classes ou des trucs un peu spécifiques? Après je suis pas pressé pour l'Emergency Quest, si vous voulez la faire. Vous pouvez, je vais pas vous en empêcher, moi je passe mon tour. Je l'ai déjà fait assez souvent. Je pense qu'aussi je peux parler vite fait des affixes. J'aime pas rentrer trop en détail sur les affixes parce que les affixes, j'aime pas ça, mais c'est quelque chose que je peux faire. Non, pas de questions. Montre juste comment on va mettre des power 1 pour commencer. Alors, on va faire ça d'abord dans le simulateur.
Du fantôme héros, bah, je peux te montrer un peu de fantôme sur ce perso, un peu de héros sur un autre. Mais d'abord pour Yuren, parce que il faut peut-être, il faut lui dire. Donc, la fixe, très facilement, pour mettre du power 1. C'est très simple. Lorsqu'on arrive une ability, la première fonctionnera toujours. Lorsque on combine deux power 1, on peut faire un power 2. Mais ça, c'est pas un truc qu'on va faire. Imaginons qu'on a un truc différent. Quelque chose comme ça. Ça, allez, on prend encore des trucs. Voilà. Une petite arme droppée random comme ça avec 4 slots. Mais rien qu'on peut vraiment transférer, rien qu'on peut vraiment upsloter. Pas l'idéal. Il y a mieux. Donc, imaginons que j'ai envie d'avoir 5 slots sur mon arme. Mais 5 slots que je peux premièrement transférer facilement. Et que je peux, dans un second temps, remplacer par la suite par des trucs qui vont être utiles ou les conserver. Donc, les seuls trucs qui peuvent être, on va dire, conservés pendant le processus de grind, d'affix, c'est les S1, S2, S3, jusqu'à S8, je sais plus, S7 ou 8. Ceux-là, on ne peut pas les perdre lorsqu'on échoue un affix. Par contre, le power, le technique et tout ça, on peut le perdre. Donc imaginons plutôt qu'on veut en faire un 6 slots. Ouais, 5. On va faire un 6 slots plutôt. Bon. Ici, dans le simulateur, tous les junk A, B, C, D, E, c'est l'équivalent de tous les petits affixes comme ça. Power 1, Power 2, Power 3. Mais, par simplicité, on peut utiliser les junk. Donc, je vais quand même mettre un power 1 pour pouvoir montrer. Parce que Yuren a vraiment besoin d'apprendre la fixe. Ici, on a le power 1 qui se transfère sans aucun problème. Le S1 se transférera sans aucun problème. Et ici, jusqu'à 5, on a 100% de transfert. Si ici on avait l'affixe finale qu'on voulait avoir, ça, ce sera un affixe tout à fait correct en imaginant qu'on ait tout ce qui est les Grace Power et les trucs comme ça. Bon, on a mieux que Grace Power maintenant. Je ne sais plus comment on l'appelle. Grand Power. Voilà. Le truc, c'est que, bon, dans ce cas-là, on est un peu limité, on fait ça sur 5 slots. Et ce qui est plus intéressant quand on a par exemple des slots pour les SFX, bah, c'est de profiter d'un maximum de slots. Donc faire peut-être au moins 7, 8 si on a un peu de chance. C'est un peu compliqué de monter jusqu'à 8, mais c'est faisable. Certains le font assez régulièrement. Ces gens-là sont des bourges. Et secrètement, je rêve la nuit d'être eux. Puis ensuite, je me rappelle que c'est juste PSO2 et qu'il y a plus que ça dans la vie. Donc, pour retourner là-dessus, on va venir, on va faire un upslot. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on n'a que du 100%. Donc ça va être très facile de faire un upslot. Et quand je dis très facile, en réalité, je mens un peu. Ça devrait être très facile. Pour le moment, on est à 55. Avec toutes les abilities qu'on est en train d'ajouter. Tiens, d'ailleurs, on va virer ça parce que je veux surtout pas avoir quelqu'un refaire ce que je fais comme ça. Voilà. Et ça semble pas possible aussi, donc tant mieux. Le problème, c'est qu'ici, on a quand même 5% de réussite. Enfin, si je lis bien le chiffre ici, 5%, c'est pas beaucoup. On peut booster ça un peu si on a les mêmes items qui sont utilisés pour faire la fixe, mais qui fait ça ici? Moi pas, c'est certain, et je doute que les autres fassent pareil. À moins que vous ayez plusieurs 15 étoiles à mettre ensemble lorsque vous faites des trucs vraiment fumés, mais on n'est pas là pour faire des trucs fumés, on est là pour faire des trucs simples et efficaces. Donc, avec le 55%, on a de la chance. On peut utiliser un Ability Success Rate de 45%
Et comme ça, on obtient du 100% partout. Et là, on réussit un upslot. Non, je la fais pas, Yoren. Je laisse l'Emergency Quest. À moins qu'il y ait d'autres gens, je sais pas. Pour continuer l'explication, maintenant imaginons, et j'ai bien dit imaginons, qu'on ait envie d'avoir, je sais pas, 7 slots. Donc là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus difficile. Ah, je clique pas droit. 40% de réussite, c'est un peu chaud. Alors, 40% de réussite, c'est toujours faisable. On a des fois des boost weeks sur lesquels on peut avoir, on va dire, allez, 10%. C'est ici qu'on le met, je crois. Donc, faut en profiter quand il y en a. Ça, en général, c'est annoncé sur le Discord, c'est annoncé sur le site de PSE2, mais personne ne le lit, et c'est annoncé sur Bumped aussi. Mumpt est la source numéro 1 pour toutes les informations qui vous intéresseraient. Et dans ce cas-là, ça reste toujours possible de le réussir si vous avez un Ability Success Rate. Sinon, vous pouvez acheter des Ability Success Rate à 40% au XCube Shop. Mais voilà, il y a toujours un risque d'échouer. 90%, c'est toujours en dessous de 100%. Et il vient un moment où malheureusement, on est obligé de prendre des risques. Et les risques, on peut les prendre. Ah, je fais n'importe quoi en fait, je prends pas les bons. Et ce genre de risque, c'est autre chose. Donc là, on est là en train de faire juste de l'upslot. Donc rajouter des power 1, body 1, tous les affixes qu'on a vraiment ici en 1. Qui ont toujours 100% de chances de réussite. Mais c'est de plus en plus difficile de faire un upslot correct. Et lorsqu'on arrive à 8, pour faire 8 slots, les chances sont encore plus basses. Donc, bien sûr, nous, les affixes qu'on fait, c'est des affixes un petit peu plus recherchées. Certains appellent ça des affixes de Bourges. Ouais, c'est vrai, on fait ça. Et on fait ça ici. Donc là, par exemple, on va dire un affixe. Ah, quoique j'ai pas de bon affixe sur ce perso. Bon, c'est pas grave. On va en faire un avec le Fixing Assistant. Qui permet de sélectionner en gros ce qu'on cherche à viser. Donc actuellement, ils ont peut-être pas le grand power, donc on va utiliser un Grace Power à la place. On va utiliser un Power 6 parce qu'on fait de la SATK. Un Persona Rêverie parce que je suis quand même un peu cheap. Et là déjà, on a un 135 en SATK. Avec plus 5 PP, on peut faire mieux, et pour faire mieux, on peut rajouter Astral Soul. Qui permet de booster les PP de 5 aussi, et de rajouter quand même 35% d'attaque globalement. Et là-dessus, on pourrait rajouter aussi un Aether Factor, parce que les gens aimaient bien mettre Aether Factor à un moment. Et bien évidemment, la liste, elle peut continuer avec Act the Soul, Arrest the Soul, selon ce que vous voulez, Modulator. J'ai perdu. Ah voilà, Act il est là. Ah bah non, si je mets un Act, je peux pas mettre un Astral. Mais bon, voilà, imaginons. On fasse ça assez simplement avec plus de 100, plus 16, et on fait ça que sur 3 slots. Donc ici, l'assistant, il nous propose de faire certains trucs, comme par exemple faire un affix par upslot. Que l'on ne fait jamais parce que il y a des chances que ça échoue et on n'est pas là pour faire échouer son affixe.
On est plus là pour réussir son affix du premier coup et être vraiment content. Ici, on sélectionne celui-ci avec 70%. Le Historia Soul peut buffer le transfert de Persona Reverie. Et Persona Reverie, quand il est répété des fois, il est aussi un peu buffé. Par la suite, le Astral Soul, on peut utiliser un spécial Ability Factor. C'est celui des armes Ray que l'on peut obtenir auprès de Leontina. Ici, Factor Catalyst, on considère qu'on est en train de faire un truc de bourge, donc ouais. Voilà, je suis de retour, je crois. OBS a l'air de indiquer que c'est bon. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que je suis là? Ouais, j'ai l'air d'être là. Je suis actif. Ouais, c'est bon. Donc. Parfait. C'est mieux comme ça. Donc, je sais pas où ça a coupé, mais en gros, voilà, j'ai commencé à faire un affix, et l'affix, il est censé être comme ça. Et pour finir, Modulator, on utilise le Special Ability. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire un affix assez simplement. Donc, si ça a coupé avant, il faut me dire à peu près où ça a coupé, je peux recommencer, ou bien je peux vous laisser jouer avec ça et peut-être repasser dessus une autre fois. Je sais pas ce qui vous arrange le plus par rapport à ça. En sachant que le lien pour cet outil, comme les autres outils, sont disponibles dans la section guide. Ça vous permet vraiment de choisir un peu les abilities que vous allez mettre sur vos armes. Bien évidemment, pour tout ce qui est S1, S2 et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et dans le cas où vous faites un build vraiment, vraiment compliqué, ça peut changer aussi. Donc là, pour le moment, ici, on a un build assez linéaire, on va dire. Très simple à suivre. Mais il faut savoir que pour obtenir les facteurs catalystes, bah, on a besoin de pouvoir faire quelque chose. Donc ici, le Soul Receptor Historia. Et ici, non, attends. Pour obtenir Factor Catalyst. Pour obtenir Ether. Je sais plus. Ah, ça doit être ça. Voilà. Donc ici, pour obtenir Factor Catalyst, il faut être réaliste. On a besoin de Yamato Factor, Mother Factor et Deus Factor. Ici, pour faire Ether Soul, il faut Toho Soul et Full Vegas. Ou bien Escardé, bien évidemment, une des combinaisons fonctionne. Mais là, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, du coup. Parce qu'on a ça. Et ne vous en faites pas, hein, dès qu'on a besoin de faire un truc bien particulier, du genre Mana Reverie, ça peut être tout aussi compliqué. Bon, ça c'est avancé, c'est quelque chose que l'on fait uniquement sur le stuff qu'on va avoir pendant un moment, donc une jolie 15 étoiles en ce moment, peut-être une 16 étoiles l'année prochaine, qui sait. J'ai tendance à préférer utiliser ce type d'outil, mais bien sûr, ici, si on a besoin de faire un facteur catalyse par exemple, on a la recette qui peut se créer pour ça. Ici, on n'a pas forcément la recette. Mais on peut les combiner pour les créer. Donc, pour la fixe, c'est un peu tout. Y a aussi d'autres trucs, mais bon, ça, on prendra les questions sur Discord. D'autres pourront mieux répondre que moi. Tout à l'heure, Kent voulait voir un peu fantôme et héros. Je ne sais pas si tu as toujours envie de voir ça.
Si tu fais l'Emergency Quest et que t'es occupé, ben on peut toujours mettre ça une autre fois. Peut-être vous montrer ça directement sur Discord aussi. C'est une option. Après, je sais pas exactement ce que tu as envie de voir sur Hero, donc je peux te faire un aperçu assez général du truc. Donc le temps et l'envie, bah, disons que j'ai du temps jusqu'à à peu près 18h30, donc commençons avec Hero, parce que j'ai une meilleure appréciation de Hero. Et bien évidemment, en tant que héros, le build sera assez simple et le stuff tout aussi simple. Donc ici on se retrouve avec une 15 étoiles, en sachant que sur ce personnage je n'ai que une seule 15 étoiles, mais j'ai deux 14 étoiles. Donc le plus simple ici avec ce personnage, c'est de faire un des skill trees les plus simples au monde, celui de héros. Donc, pour revenir un peu sur Firefox et le Skill Tree Simulator, le Skill Tree de Hero est très simple. On peut pratiquement tout prendre. Et quand je dis pratiquement tout prendre, j'exagère même pas. Hero est une classe qui fait beaucoup de choses. Est-ce que Hero fait beaucoup de choses bien? Ça dépend. Peut-être, pas toujours. N'oublions surtout pas le High Level Bonus Hero. Il ne faut jamais l'oublier. Il est là, mais il doit être pris. Et bien évidemment, chacun le joue un petit peu différemment. Mais moi, je le joue comme ça. Je crois que je le joue comme ça. Ouais, on va dire que je le joue comme ça. Donc, petit... Ah non, non, je le joue pas comme ça, je suis un scrub. Voilà, je le joue comme ça. J'ai eu peur pendant un moment, j'ai failli vous guider vers quelque chose de pas potable. Donc, tout ce qui dépend de l'arbre Hero Boost doit être au max. Tout. Il n'y a aucune excuse pour oublier de mettre un skill. La seule raison pour laquelle il n'y a aucune excuse d'oublier de mettre un skill, c'est le joli 150% qu'on a ici avec les attaques. 150%, c'est pas rien. C'est jamais rien. Hero tape très fort avec les armes de base. Hero utilise des photonards qui tapent plutôt fort. Donc, on a besoin des skills pour ça. Si on les a pas, on peut pas. Et si on peut pas, bah, on peut faire du fashion à la limite. Mais bon, faut bien pouvoir faire de l'argent dans le jeu. Ici, tout ce qui dépend du gear, au max, ça vaut le coup de le prendre, je pense. Certains ne le prennent pas forcément, ils préfèrent prendre des attaques up ou autre chose. Moi, je le prends. Combo gear up, nécessaire, quand on utilise différents PA, différentes techniques. C'est un équivalent au tech arts, mais juste pour buffer le gear. Hero time gain, pour pouvoir gagner du gain, du hero time pendant la quête. Et bien évidemment, Hero attaque, bonus, tout ce qui est le plus classique. C'est un skill qu'il faut avoir. Hero counter pour pouvoir faire les Hero dodge et contrer pour faire une attaque puissante. Ensuite, ici, comme je joue à la sword, j'utilise la charge. Donc on peut charger un peu de ki et faire une grosse attaque. Ça peut faire beaucoup de dégâts sur un weak point. Ça, c'est pour pouvoir le charger un petit peu plus rapidement. Certains ne le prennent pas. Mais après une attaque, on aura un premier niveau de charge. Donc, c'est toujours bien à avoir. Les TMG utilisent beaucoup de PP. Pour attaquer, vous utilisez littéralement des PP, comme si c'était des balles. Et ensuite, on est obligé de faire Evolver Ocelot pour pouvoir les remplir. Mais, bien sûr, le mieux, c'est de pouvoir attaquer. Et on économisait au moins 20%. Ici, pour les techniques, certains ne prennent pas ce Photon Art, ce skill. C'est pas nécessaire, mais ça permet d'économiser 20% sur le Photon Art quand on l'utilise, sur la technique. Pas le Photon Art, la technique seulement. Hero Wheel permet de survivre un coup, comme le Iron Wheel, mais une seule fois par quête. Ou alors, il doit être remboursé avec le Hero Refresh.
Et on a bien sûr 5 secondes d'invulnérabilité. Des PP en plus, parce qu'on n'est jamais à court de PP. Et ici, on a un skill un peu particulier où tout à l'heure j'ai dit c'était totalement inutile de faire du crit si on n'est pas là en train de booster les dégâts critiques. Mais dans ce cas-là, c'est assez intéressant à voir, même que sur ce perso. Donc, je vais expliquer pourquoi en détail quand on va passer sur les TMG. Parce que c'est très intéressant avec les TMG. Et j'ai peut-être les bonnes TMG qu'il me faut dans la banque actuellement. Mais en attendant, ça, c'est très intéressant parce qu'on peut faire des attaques assez rapides. Donc, pour retourner sur le jeu, en espérant que je les ai dans mon storage quelque part. Si je les ai pas, tant pis. Ouais, je les ai. Donc, pourquoi est-ce que c'est très utile? Moi, je pense que là, on se retrouve avec une des meilleures TMG qu'on a sur le jeu. Donc, les Valkyries ont un potentiel qui est assez intéressant. On peut booster le crit rate par 5%, booster l'attaque critique par 10%, et en plus, sur les weak points, 6%. Alors je sais pas exactement comment ça cumule, si on a 16% sur les weak points ou pas ou autre chose. Faut voir. Peut-être qu'on les a. Ça c'est un petit affix, tout ce qu'il y a de plus modeste, quand j'avais pas d'argent, et quand c'était encore un peu nouveau de faire des gros affixes comme ça. Mais c'est pas grave, faites pas attention. En armes, je vais expliquer ce que j'ai. Donc ici, j'ai une Atra Fardeur X, donc la 15 étoiles. La seule raison pour laquelle je l'ai est très simple. C'est parce que je l'avais comme ça, au début. Il n'y a pas d'effet vampirique, donc je récupère pas ma vie lorsque je tape avec. Mais je devrais le rajouter un jour. Ici, j'ai rajouté le SFX Double-Edged Sword qui me permet de prendre 6% de dégâts en plus sur mon personnage, mais en échange, je peux en faire 3% de plus. Et le secret de la réussite, c'est comme lorsqu'on va télécharger un film ou voler à l'étalage, c'est de ne pas se faire prendre. Et je viens de donner un très mauvais conseil, mais c'est pas grave. Et ici, Skill Strike. Donc pour augmenter les dégâts critiques par 4%. Parce que c'est intéressant quand même un peu sur la Sword. Principalement avec Rising Slash. En Photon Art, ensuite j'utilise aussi Brightness End, Flash Trick, Vapor Bullet. Et en réalité, il n'y a pas d'autres Photon Art. Donc je ne devrais peut-être même pas perdre mon temps à les présenter. Vous les découvrez par vous-même. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. J'utilise aussi beaucoup le Talis. Le Talis, c'est une arme qui est très intéressante sur ce jeu. Quand on joue héros, quand on joue une classe, si ça vous plaît, pourquoi pas. Mais très franchement, en héros, le Talis, c'est génial. Surtout quand on va build de gear. Les TMG, qu'on ne présente plus. On peut faire Revolver Ocelot avec. Celles-ci sont particulières, ça fait partie des premières 14 étoiles. Elles boostent les dégâts par 20%. Brut. Et bien sûr, il y a de la recovery sur les PP à partir du moment où j'arrive à réussir une esquive et que je ne me fasse pas toucher après. Donc voilà, là encore, le secret de la réussite, c'est de ne pas se faire toucher et pas se faire attraper. Avec bien évidemment un affix un peu moins. Enfin, il est correct, c'est un début. On peut faire avec. Et ici, j'ai mis les Valkyries, juste pour les avoir. Bien sûr, la différence d'attaque qu'on a avec les Valkyries et les Dual Boar et les Dual Birds font que les Valkyries ne sont plus très intéressantes du tout, je veux dire. Malheureusement, on a pratiquement 600 d'attaque de différence, et il n'y a pas moyen de venir compenser avec ça, surtout quand ici on a les plus 20%, et que sur les Valkyries, on n'a pas plus 20%. On est juste sur les dégâts critiques. Mais bon, je les rajoute juste parce qu'elles sont jolies. Et largement plus classe. Donc maintenant je vais un peu montrer comment je joue héros parce que le but c'est de montrer aussi comment je m'y prends.
Et pour présenter très vite fait ma sub-palette, le Hero Refresh, qu'on peut utiliser que lorsque le gear est au moins rempli à 50%. Le Hero Time, de quoi me soigner, parce que si j'ai besoin de me soigner, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a tapé, et si quelque chose m'a tapé, c'est qu'il y a quelque chose que je peux attaquer pas trop loin. Avec le TMG, c'est super intéressant, avec le Tali, c'est super intéressant, avec la Sword, c'est super intéressant, peu importe les distances. Donc il n'y a pas d'excuse à ne pas avoir Maggie Versée sur sa sub-palette. Et si elle n'est pas sur votre sub-palette, c'est qu'elle est probablement ailleurs. Ici, bien évidemment, vous en versez. Pourquoi faire? Pour rien faire. C'est du vent. Mais c'est quand même 20% d'attaque lorsqu'on est dans la zone, et ça peut faire une petite différence si on est dans une MPA ou quelque chose. Je ne recommande pas de venir charger les enversés avant de venir commencer à attaquer. Ça ne sert strictement à rien. Si vous perdez votre temps à charger les enversés, vous perdez en fait du DPS. Ensuite, zone deal. Très simple. Regrouper les ennemis. Et sa foi type 0 pour pouvoir se déplacer. Et là, je vais montrer pourquoi j'utilise sa foi type 0 pour me déplacer avec ce personnage. Donc, même histoire que d'habitude, on prend un Shift à Drink. Parce que c'est nécessaire, on est là pour taper du mob, pas pour leur faire des câlins. Si vous êtes là pour leur faire des câlins, prenez un des bandes. Et voilà, les déplacements rapides, c'est comme ça. Avec les TMG, bien sûr, il faut surtout pas hésiter à recharger. Mais bien sûr. Il faut prendre en compte le timing, la just attack pour pouvoir recharger. Et voilà, il en reste plus qu'un. Et voilà, le gear est plein à 50%. Quand on fait du mobbing, de toute façon le gear il augmente très rapidement. Donc, Hero se joue énormément sur le switch d'armes pour pouvoir augmenter le gear rapidement. Parce que le but de Hero, c'est de pouvoir taper le plus fort possible. Et le gear, c'est ce qui augmente le mieux. Enfin, c'est ce qui permet de DPS le mieux en tant que héros. Bien sûr, ça dépendra des armes et on est obligé de switcher de façon très régulière pour pouvoir le stimuler un maximum. Mon... Ah non, mon chat il est bon en fait. C'est vrai, sur lui, le chat il est pas bon. On va le refresh. Ça c'est peut-être OBS qui a pas réussi à le refresh. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc. A priori, j'ai rien manqué. Bon, là aussi, on voit en tant que héros, le gear il augmente très peu toutes les chaque seconde qui passe. Et en tant que héros aussi, il faut éviter de se faire toucher. Parce qu'avec le temps qui passe, on a un effet d'aura qui nous arrive tout autour. Et cet effet, en fait, il montre le gain en puissance qu'on gagne. Pendant, je crois, 1 minute. On gagne 60%, c'est le max, et ça permet d'attaquer beaucoup plus fort. Donc là j'ai pris un dégât, il y a une chance de se faire débuffer. J'utilise le Hero Time, et il ne faut pas claquer le Hero Time de suite. Il a une jauge qui va se vider peu à peu,
Mais ce qu'il faut faire, c'est un hero finish. Et ça, c'est l'attaque que vous voulez faire en tant que héros. Donc on a vu un joli 1 million de dégâts, probablement plus, on n'en saura jamais rien, parce que le jeu ne nous montrera pas plus de 1 million. Et des fois, le jeu a tendance à caper les dégâts à 1 million. Il y a bien sûr des outils pour voir si on fait plus d'un million, mais ces outils sont interdits par Sega. Vous pouvez prendre un ban, on n'en veut pas dans la team. Et ce n'est pas négociable. Désolé, merci de votre compréhension. Vous comprenez, voilà. Enfin, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, avec Hero, on a quelques photonards qui fonctionnent un petit peu différemment. Ici, par exemple, celui de la Sword, on peut le maintenir pour faire des attaques en continu, comme ça. Brightness End, celui-ci, qui est chargé à une War Point. Ça veut dire que sur le deuxième coup, on aura la possibilité de bloquer une attaque au moment où elle nous arrive dessus si on relâche le Photon Art. C'est un peu comme une iframe. Il faut vraiment que je les vienne en fait les Valkyries parce que ça m'aide pas. On va mettre les Dual Bird. Et surtout, un des trucs que Hero fait bien, c'est les esquives. Et là, avec l'esquive, mon photonart il change. Donc je crois que c'est Brightness End qui change. Brand New Star. Voilà. Je sais même plus ce que c'est les photonarts. Ah, c'est pas classe si je rate mes esquives. Et le log du jeu qui déconne, ça c'est génial. Il faudra m'expliquer d'où il sort son deuxième bouclier. Parce que j'ai pas encore vu Captain America, peut-être qu'on m'expliquera. Non, lorsque tu fais une esquive et que tu fais Brand New Star, si tu as réussi ton esquive, tu as une attaque un petit peu plus puissante et linéaire. Si je peux le replacer, je te montre. Parce que Brand New Star, c'est le seul qu'il fait, et il fait une attaque un peu large comme ça. Allez, attaque-moi. Alors que là, il fait une attaque un petit peu plus précise. Avec une iframe aussi.
Alors, le seul truc qui est dommage avec héros, c'est que quand on doit recharger avec les TMG, malheureusement, on se retrouve pas avec une just attack de disponible. Ça peut pas mal changer les dégâts qu'on fait, donc c'est plus un truc qu'on fait comme ça ponctuellement pour pouvoir se recharger, mais lorsqu'on sait qu'on sera un peu à l'abri. Et je pense que c'est à peu près tout pour héros. Il n'y a pas grand chose à montrer en réalité. Parce que comme j'ai dit, c'est une classe qui fait beaucoup de choses. Bien sûr, encore une fois, le Hero Time, il ne faut pas claquer de suite. Il faut en profiter. On fait beaucoup plus de dégâts lorsqu'il est activé. Et le finish peut faire vraiment beaucoup de dégâts lorsqu'il est bien placé. Donc, pour changer d'arme aussi, il faut surtout pas hésiter à utiliser les photon arts pour changer d'arme. Parce que tous les photon arts en héros sont viables. Il n'y a pas de photon arts moins bon que d'autres. Il y en a juste des moins adaptés aux situations. Et surtout, si vous changez d'arme et que vous avez un photon art qui est actif, comme celui de la Jetwheel, l'avantage c'est que elle ne disparaîtra pas. J'ai l'impression qu'ils ont moins de vie maintenant. Ou alors il devait pas être 85, j'ai pas fait attention. Donc voilà. C'est à peu près tout pour Hero. Est-ce que t'as des questions? Ok, tu veux voir un peu fantôme du coup, j'imagine? Ah, je peux faire ça vite fait. Ça prendra pas long. Alors, tu peux être que à l'épée si tu veux. Mais être que à l'épée, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimi. Donc, quand tu arrives en tant que héros, tu as plusieurs photon arts qui te permettent de changer d'arme pour pouvoir avoir des enchaînements, pour pouvoir changer par exemple ta distance d'engagement. Te mettre un petit peu plus en sécurité, recharger tes PP d'une façon un petit peu plus passive. Si par exemple t'es au TMG, t'as envie, tu vois, de venir et te mettre sur la gueule avec le mob directement, tu peux switch à la sword. Ou si tu veux utiliser un Talis pour rester à distance, faire des dégâts respectables, mais avoir une régénération un peu passive et lui placer quelques petites. Quelques frisbees, quelques shurikens qui lui font des dégâts sur le temps. Tu peux, du coup, jouer qu'à l'épée, mais c'est pas parce que tu peux que tu devrais. Moi, j'encourage les héros à jouer avec les trois armes. Et si tu veux pas jouer avec les trois armes, joue avec au moins deux armes, parce que tu te rendras compte que c'est quand même largement plus intéressant. Héros n'a aucune variété en termes de PA, et ça change absolument tout. La différence que tu as en fait entre le gameplay héros et le gameplay par exemple Hunter,
c'est que lorsque tu veux jouer héros, le héros, tu pourras le jouer que d'une seule façon. Et c'est en fonction de l'arme qu'il a. Il n'y a vraiment pas grand-chose que tu puisses faire pour changer un peu la méthode. En sachant bien sûr que, comme j'ai dit, tu arrives avec seulement 3 photon art par arme. Et ils vont tous des trucs différents. Ils sont très bien pour ce qu'ils sont. Mais c'est situationnel des fois. Oui, j'ai utilisé le Talis en héros. Je l'ai utilisé au début pour faire par exemple la petite zone pour attirer les mobs et leur faire des dégâts, donc la Jet Wheel. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai aussi utilisé. Je vais vérifier quand même le nom du truc. Ouais, j'ai utilisé la Jet Wheel. Et j'ai aussi utilisé le Wise Hound qui envoie des shurikens. Par contre, j'ai pas utilisé la weapon action du Talis. Parce que la weapon action du Talis, c'est un truc où tu peux par exemple coller un point pour te téléporter dessus, en quelque sorte. Mais c'est pas très utile. Encore une fois, ça c'est très situationnel. Donc, pour héros, je vais pas rentrer. Pour fantôme, je vais pas rentrer sur le skill tree. Parce que d'autres le feront mieux que moi. Au niveau du stuff, j'ai littéralement acheté tout mon stuff en dehors du Spread Needle. C'était disponible au Player Shop, je l'ai grindé, j'ai rajouté des S1, S3, comme je pouvais. Mais voilà, c'est très très simple. Le Rod, je l'utilise sans les Photon Art. Je les utilise qu'avec des techniques. Et éventuellement le Photon Art, celui-là. Mais je vais pas m'amuser à prononcer les noms, c'est pas la peine. De toute façon, comme j'ai dit, pour héros, il y en a 3 ou 4. Donc voilà. C'est assez vu. C'est vu très vite, quoi. Il n'y a pas beaucoup de variété là-dessus. Et bien évidemment, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non. J'ai encore cassé mon personnage. Non, c'était celui-là. Non, c'était celui-là. Non, c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Donc, Phantom a une weapon action qui permet de changer l'effet de l'arme. L'effet du Photon Art. Donc, par exemple, ce Photon Art, il fait ça. Et si j'utilise la weapon action puis le Photon Art, il fait ça. Donc, selon le Photon Art, on se retrouve avec un effet totalement différent. Je vais descendre pour pouvoir montrer ce que c'est. En prenant un peu de ketchup. Donc voilà, on peut avoir des effets très différents. Chaque Photon Art a une version alternative en quelque sorte. Et ça le fait pour toutes les armes. Donc, moi je joue principalement au Spread Needle parce que c'est facile de faire du mobbing. Et dans le but de faire du money making avec l'Arc Spicion, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour faire les daily, c'est vraiment très rapide lorsqu'on a besoin de faire des Advent Quests ou des Time Attack. Et bien sûr, toutes les daily orders qui rapportent beaucoup d'argent, on peut facilement les valider avec un rang A minimum. Parce que tous les mobs qui apparaissent, ben on peut les tuer de façon instantanée. Donc, le katana a une petite particularité, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est qu'on a cette petite ligne qui apparaît lorsqu'on rengaine l'arme. Ça, c'est un des skills qui s'appelle Quick Cut. Ça permet en quelque sorte de faire une attaque qui suit comme ça. Et ça, on se recolle en fait au personnage avec ça. C'est assez puissant, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est une follow-up qui
Ouais, c'est une follow-up qui vaut le coup. Pour les photons d'art qu'on a sur le rifle, donc là je vais jouer sans spray needle, juste parce que c'est normal comme arme. Spray needle, il est un petit peu particulier, il permet d'attaquer en éventail. Donc on a un rifle qui est utilisé d'une façon totalement, on va dire, gangsta, avec bien évidemment les photons d'art qui peuvent changer en fonction de shift action. Des photonards qui permettent aussi d'avoir des iframes. Là par exemple, lorsque je vais relâcher l'arme, je ne pourrai pas prendre de dégâts. Et le meilleur photonard du monde. Celui qui permet de s'enfuir. Tant qu'on a des pépés. Un autre truc que Hero fait bien, c'est DPS au bout d'un certain temps. Donc, lorsqu'on attaque une cible comme ça, on peut mettre une marque au bout d'un certain temps. Il suffit de l'attaquer vraiment beaucoup. Parce que je crois que c'est en fonction du nombre de hits qu'on fait. Une fois qu'on a fait ça, on peut charger la weapon action, tirer dessus et ça permettra de faire un coup plus puissant. Bien sûr, ça c'est des petits hits parce que la marque elle est encore bleue. Et quand la marque elle est encore bleue, ça veut dire qu'on fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Donc je vais aller sur le damage tally pour pouvoir juste augmenter la puissance de la marque pour vous montrer un peu la différence. Donc pour l'augmenter, rien de plus simple que de l'attaquer. Et l'attaquer beaucoup. Bien sûr, elle se met là où on attaque. Ah. Je l'ai pas mis sur le bon mode. Ah ouais, il augmente pas sur tous les modes, ok. Sur tous les PA. Et ben on va essayer d'augmenter ça le plus rapidement possible. Et on va le poser sur la tête. Et voilà, là on fait pas mal de dégâts. C'est bien. Et on peut mieux faire. Là je vais préparer une autre marque et attaquer avec une autre arme. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté de réfléchir. On va passer sur ça, un rod.
Et en fonction de l'arme, l'effet il change totalement. Ah! C'est pas bon ça si elle disparaît. Donc là, bon, ça a fait des petits pics de photons. C'est vrai, j'ai oublié qu'on avait les drones. Et maintenant, avec le katana. Voilà, ça fait pas mal de dégâts, c'est intéressant à faire. Selon le skill, on peut augmenter le nombre de marques par mob très rapidement. Enfin, durant le fight, hein, on ne pourra pas leur mettre plusieurs marques, c'est juste qu'on pourra en faire plus pendant le fight. Et bien sûr, le Phantom Time. Pareil, il a un finish. Et il permet d'augmenter rapidement l'accumulation des marques. Donc là, avec le finish, on fait un petit coup avec une iframe. Ça fait beaucoup de dégâts. Globalement, c'est une bonne façon de finir. Voilà, c'est tout pour Phantom. D'autres pourront expliquer un peu mieux la classe. J'ai pas l'habitude de la jouer tant que ça. C'est vraiment un perso pour faire de l'argent vite fait avec le Spread Needle. C'est mobile, ouais. Donc, je sais pas si tu as des questions. C'est le moment, si tu as des questions, si tu as besoin que je te montre autre chose. J'ai encore un peu de temps. Ok, si c'est tout, tant mieux. C'est vrai que j'ai fait ça l'autre jour et je l'ai pas validé. Donc, ça c'est moi qui fais de l'argent. Plus de 150, plus 130, plus 130. Et voilà, j'ai fait 2 millions avec ce petit run. Donc voilà, juste pour revenir vite fait sur le money making. Euh,
Ma classe, laquelle de classe? Sur ce personnage? Ou la classe que je joue d'habitude? La classe que je joue le plus souvent, c'est Hunter avec en subclasse Fighter. Parce que j'aime ma grosse sword. Et c'est le style de jeu qui me convient le mieux. C'est vrai que c'est pas aussi dynamique et rapide que le héros, mais ce que ça le fait bien, et c'est ce qui compte. Donc, vite fait, on va faire ça avec un peu de damage tally. J'ai couvert un peu mon tri depuis le jeu. Parce que ça va être rapide. On l'a déjà vu tout à l'heure. Moi, c'est le tri, on va dire, alternatif. Donc, au lieu de venir prendre du Furistan, je prends le JA bonus. C'est nécessaire. Si tu l'as pas, tu ne sers pas à grand-chose avec Hunter. C'est la triste vérité. Ici, Guard Stance. Avec Guard Stance Advance. C'est ça que j'ai fait. C'est ça mon main DPS. Massive Hunter. Pour. Des fois, parce que j'en ai besoin, ça arrive. Iron Will, parce que je crois en moi. Never give up, parce qu'il ne faut jamais abandonner. Comme le pêcheur dans la mer du Japon, qui vous dit qu'il ne faut pas abandonner. Warcry, pour prendre un peu l'aggro, avoir un petit buff, ça aide. Avec Warbrave. Et bien évidemment, le debuff de War Attract qui s'active sur les ennemis. Gear Boost, Charge Parry, Just Counter, Healing Ward. Bon, ça on l'a déjà, Just Counter. Healing Ward, PP Guard, Partisan Gear, All Guard. Sword Gear quoi. Je joue à la Sword. Et voilà. Donc. Pour le stuff, je flex pas, mais ouais, mon stuff c'est un peu ça. Donc la Light Stream avec plus de sang pour pouvoir profiter du potentiel. C'est une lightstream un peu light, hein, parce que la Katsuki j'ai réussi à mettre 230 dessus. Je vois pas pourquoi sur la lightstream je pourrais pas. Parce que j'avais pas les mes états, voilà pourquoi je pourrais pas. Voilà pourquoi je pouvais pas. Il faut tenir un ton simple, ça c'est ma palette. Ignition Parry, Nova Strike, Rising Edge, Sacrifice Bite, Type 0, j'insiste, Type 0 uniquement. Ça c'est la main palette que j'utilise, Rising Edge, Nova Strike, Ulti Break pour pouvoir close in rapidement sur les ennemis. Ça, c'est on va dire plus AOE, dégâts. Et ça, c'est mon Healing Stick parce qu'il y a Vampiric Strike dessus. Mais c'est pas parce qu'il y a Vampiric Strike que ça sert à rien. Il y a quand même les Offensive Intent. Donc là, on a quand même 6% sur les Offensive Intent. Plus ici, 10%. Donc on est à 16% en plus. Et ensuite, bon. Ouais, j'ai pas fini en fait. C'est pour ça qu'il y a des Power 1, des Arm 1 et des Shoot 1. Je devais finir un jour et mettre des trucs comme par exemple Persona Reverie, Grease Power. Bon, maintenant il y a Grand Power, Astral Soul, que je peux faire, que je peux prendre. Il suffit d'aller voir Leontina, prendre une de ses armes, éventuellement la. Ah ouais, le cap il est à 30, donc il en faut 6 en tout. Et ensuite, je peux avoir un Astral Soul facile. Ah, c'est caché par le chat YouTube. C'est pas grave. C'est vraiment caché par le chat YouTube? Eh ben. Blâmer le jeu. Parce que j'avais déjà déplacé ma fenêtre pour ça.
Mais bon, vous voyez les affixes en général. 230 sur l'Akatsuki. Akatsuki permet de remplir mon gear, comme il le fait là actuellement en bas. Par contre, dès que je passe sur l'Airstream, ça se vide. Akatsuki se remplira constamment jusqu'à ce que je sois max gear ou que je l'unseal. Pour unseal l'Akatsuki, il faut faire un Just Guard avec. Ça casse le fourreau en fait. Ici, on a un fourreau en bleu sur l'icône. Donc, comme je joue pas Fury Stance, mais que je joue War Stance, je fais partie de ces scrubs qui sont obligés d'activer la stance ici. Il n'y a juste pas le choix. C'est le jeu. Et faut pas oublier. J'ai souvent oublié. Donc. On passe en free mode, juste pour montrer un peu vite fait mon enchaînement. Bien sûr, il faut l'activer ici. Donc, si j'ai pas envie qu'on m'envoie voler, j'utilise Massive Hunter. On va le debuff un peu, et en même temps. Voilà. Donc, là j'ai activé le Guard Stance Advance. Avec le Just Guard. Avec le charge parry, j'ai pu tanker ce coup sans trop de difficulté. Ça, c'était un ignition parry. Ça, c'est un ignition parry sans l'avoir réussi. Largement moins puissant, c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment utiliser, mais bon. J'ai pas changé de tri. De set. Ici, je viens de changer avec le clavier d'arme. Ouais, donc globalement, c'est un peu ça, mes enchaînements. Et je pense qu'on peut finir sur un Imperial Cleave. Voilà. Donc mes enchaînements sont assez basiques. Mais parce que c'est basique, ça marche. Et c'est assez facile de pouvoir jouer avec de la variété. Donc, pour expliquer vite fait ce que je fais ici, avec Overhand, on a le troisième coup qui est très puissant lorsque le gear est plein. Il attaque trois fois aussi. Ça, c'est Ray Slasher, le surf, qui permet de faire plusieurs attaques assez puissantes sur un point. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rester en place. Et on ne s'arrêtera pas. Oui, le gear du Hunter, tu l'utilises lorsqu'il est plein. Il se vide, en fait. Lorsque tu l'utilises, tu l'augmentes. Sauf si tu as Akatsuki. Et une fois que le gear est plein, en fait, bah, tu es au max des photonards que tu peux utiliser en termes de puissance. Donc les trucs comme Sonic Arrow, Overhand, ça attaque bien plus fort. Mais bien sûr, ça se vide progressivement, donc il faut que tu tapes le mob en face. Pour te montrer un peu. J'aime pas trop flexer sur truc là. Parce qu'il est pas exactement adapté pour les hunters, mais bon. Et tu sais quoi? Je vais me donner les chances. Ouais, je regarde l'heure, j'ai encore un peu de temps. Il y a toujours le temps pour flexer.
C'est ça, faut toujours garder la jauge à fond. Si elle est vide, c'est que t'as pas frappé assez de monstres. Ou alors que tu n'as pas Akatsuki, parce que des fois il y a juste pas de mob à taper et t'as juste pas le choix. Comme quand tu commences une quête. Bon alors je vais jouer contre Masquerade, mais seulement sans les restrictions sur les PA, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il en bloque certains. Donc je crois que c'est sub 10. Voilà. Jugez-moi si vous voulez, c'est pas grave. Je n'en sais rien, j'ai pas la Liberate. J'ai même pas regardé, je devrais regarder sur. Peut-être qu'on va savoir. Ouais, non, mais en fait. C'est vrai, c'est toujours Visiphone, j'oublie. Donc, regardons ça. C'est pas ici qu'il fallait scroller, c'est là. Ouais, peut-être que c'est ça. Je sais pas, c'est pas le même nom. Parce qu'ici on a Natural Release Plus et Natural Release. Enfin bon. D'ailleurs ici j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. J'aurais dû garder ma Akatsuki pour que le gear se remplisse. Parce que je veux attaquer avec le gear. Si le gear n'est pas plein, je sers à rien. Et si je ne sers à rien, bah. Ça va être moche, et j'ai de l'honneur à défendre, mon honneur. Donc je passe sur mon healing stick pour pouvoir me régénérer avec effet vampirique. Ah mais ouais, mais il est facile là en fait. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté à 11 alors? Ignition Parry. C'est le Photon Art le plus puissant chez le Hunter. Il faut juste pouvoir le placer. Bon, là j'ai survécu, c'est pas grave. On va faire ce que moi je préfère faire, une Extreme Quest. Quelque chose de vraiment extrême. Ça va être facile quand on va me regarder jouer, mais ça l'est pas toujours.
C'est tellement facile maintenant, level 90. Donc là, entre les deux phases, je suis repassé sur la Katsuki. Je repasse sur la late stream. Parce que je veux conserver mon gear à fond. Tiens, lui, il avait survécu. Il aurait jamais dû. Ici, on doit tuer les boss sur les weak points. Au moins les deux premiers. Sinon les deux derniers. À court de FP. Ok, ce stage on va le rater. C'est pas grave. Là, je suis à un quart de vie. Et parce que je veux taper plus fort. Donc je vais pas me soigner. Je pourrais me soigner, mais ça ne me bénéficierait pas. Et il arrive. Ouais, il arrive. Là, c'est un peu risqué ce que je fais, mais ça va. Donc ouais, il augmente pendant 60 secondes le bonus. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si je passe sur Furistan, je conserve ce bonus? Je sais pas. Parce que j'ai pas l'icône pour m'indiquer si je conserve ce bonus. Ouais, là du coup je suis en train de me demander si peut-être je devrais pas me soigner, mais ça devrait aller.
Malheureusement, la machine est déjà lancée et je ne peux pas t'attendre. Attends, il y a un problème avec un de mes rings. Voilà. Et ouais, depuis le début, je me dis, il y a un truc qui manque et j'ai pas le bon ring, forcément. Je suis toujours comme ça. Voilà. Ah, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin aussi parce que j'en ai pas utilisé. Donc voilà. C'est comme ça que je joue Hunter. Pour faire du mobbing, c'est à peu près pareil aussi. L'avantage avec les mobs, c'est qu'il y en a beaucoup, donc beaucoup d'occasions de récupérer ses PP. Moins d'occasions de poser une ignition parry correcte, mais bon. Faut voir. On va voir si en désactivant la Guard Stance, je tape aussi fort. Enfin, on va essayer de voir. Vas-y, attaque-moi. Frappe-moi. Allez. Ok, donc. Une attaque normale. 44. Une attaque, non, une attaque, 43, 44, 43, 44, ouais, ça a l'air de se désactiver, je pense, 29, je dirais 29, hein, on va regarder si une minute passe, on va passer une minute à s'occuper. Je sais pas si ça fait une minute, peut-être pas. Et donc ça, c'est moi, au maximum de mon skill. Ok, ça va faire une minute là. Donc, 24. 24. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est conservé. Il faudrait que quelqu'un fasse un tri pour tester. Parce que j'aimerais avoir, c'est une icône. Attends, j'ai changé d'arme, je crois. Non, c'est pas conservé. Sur la late stream, c'est pas conservé. Je tape aussi fort, enfin à peu près aussi fort. On va voir, on va réactiver ça.
Ok, 31. Quarante-sept. On désactive ça. 31. Non, c'est pas conservé quand on désactive Ward Sense. Tu sais, 31, 29, il n'y a pas beaucoup de différence. Hey, salut toi. Le Rogue Bear du trainee il doit avoir beaucoup moins de défense, mais je peux monter jusqu'à au moins 450 je pense. Il faut juste que je le time bien. Avec bien sûr le Tech Arts actif. Et ouais, si je le colle pas, il... Avec la Lightstream aussi, il y a un bonus quand les PP atteignent 0 et qu'ils sont rechargés instantanément, donc peut-être que le 500K est dû à ça aussi. Mais ouais, voilà. Pour moi c'est tout, si vous n'avez pas de questions, je vais aller m'occuper, en fait j'ai faim. Heureux, t'as tout manqué. Mais ce que tu peux faire c'est regarder les dernières minutes pour voir ce que t'as manqué. Je laisserai la vidéo en ligne, ça aide toujours. Et s'il y a d'autres questions, bien sûr, sur Discord, tout le monde y répondra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça fait à peu près 3 heures. Faut voir comment la vidéo apparaîtra sur YouTube par contre, parce que les deux coupures internet, je sais pas trop ce que ça, si ça fonctionne bien. Mais a priori, ouais, ça devrait être en ligne, peut-être pas de suite parce qu'elle va être YouTube va la réencoder, mais au pire demain. Donc voilà. Donc
C'est tout. Eh bien, pour installer le jeu, tu peux utiliser un des launchers alternatifs, comme le PSRT Astra, ou bien le Tweaker. Assez simple, c'est des clients qui te permettent de télécharger le jeu à partir de rien, donc t'as pas besoin de te soucier trop de comment, d'où tu dois aller pour télécharger les fichiers, où tu dois aller pour faire quoi. La traduction est inclue avec. Il faut juste pas avoir peur, c'est tu tapes PSRT Astra ou Astra PSO2 sur Google, et ici tu pourras le télécharger directement le .exe. Le launcher officiel, sinon ça marche bien, mais il est en japonais. Et peut-être que tu veux pas jouer en japonais. Ouais, non, les versions cloud. Non, pas les versions cloud. Arrête, regarde. Tu fais du mal à tant de monde avec les versions cloud. Donc voilà, moi je vais y aller. À peu près 3 heures de stream, c'est pas trop mal. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la team Arcsystem, on existe depuis un petit moment. Donc, faut pas hésiter à venir nous rejoindre. On est sur le chip 2, sur les serveurs japonais. Et on accepte tout type de personnes, on n'a pas de restriction de niveau, nous ne sommes pas une team élitiste. La marche à suivre est disponible sur le site. Je mets ça dans le chat. Et bien sûr, on a aussi un Discord qui est accessible depuis le site. Comme ça, c'est plus facile à trouver. Et il ne faut surtout pas hésiter pour des questions. Nous rejoindre ou même participer. Voilà. Du coup, bonne soirée et bon jeu à tous.